RFM, le Zap Télé. Le Zap Télé du meilleur des réveils, uniquement sur RFM, pardon, à 8h38. Et on commence avec des 8. L'équipe de filles du Grand 8 s'est bien lâchée sur la jante masculine. Hein. Non, bah, je pense que c'est des idées reçues, un peu comme le principe selon lesquels les femmes pourraient penser et faire plusieurs choses à la fois et les hommes non. Bon, on sait bien que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr. Et les hommes peuvent aussi penser à plusieurs choses à la fois. Bah oui. Enfin, ah quand bon on leur retire le truc qu'ils ont dans le cerveau, là, tu sais, le logiciel, là. En bas, là. Ah, le truc qui est en bas qui monte dans le cerveau. Dès qu'on leur retire ça, je sens que les mecs vont adorer notre émission. Et du coup, ils arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Ils ont les coupes de cerveau en coupe de testicules, c'est ça que tu veux dire? Ah, voilà. Chic. Oui, et on puis, assume. Oui, bien sûr, dans tout le monde en parle. Non, pardon, dans tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Nagui a fait une gaffe sur la vie sentimentale d'une de ses candidates. Vous êtes parti avec Yannick en voyage de noces. D'ailleurs, il vaut mieux partir avec son mari en voyage de noces, ça me paraît. C'était pas Yannick. C'était pas Yannick ? Non. Ah bon ? C'était mon ex-mari. Ah, l'autre fois. Bien sûr. Ouais. Voilà, boulette. Et puis sur voilà, Canal+. Voilà. Et puis sur Canal+, Catherine et Liliane, les deux secrétaires du Petit Journal, ont été très inspirées par une news people. Oh bah dis donc, ils ont des idées, les Amerlocs. Tu sais, Blake Lively, ouais, la comédienne, elle a déclaré se frotter les tétons tous les jours avec de la truffe pour développer le palais de son petit garçon dès le plus jeune âge. C'est curieux. Michel aussi m'a fait découvrir la truffe. Ah bon, ils s'en frottaient sur les tétons? Non, pas sur les tétons. je ne veux pas t'imaginer dans des situations pareilles, enfin. Une belle truffe. Mmh. Bien chaude. Arrête, je vais rendre. Hein. J'adore. RFM.